Buongiorno a tutti, benvenuti in questo incontro con Marco Auger. Siamo onoratissimi di averlo ospite a Pordenone Legge, quindi io porto i saluti dei curatori della manifestazione e di tutta l'organizzazione. Marco Auger non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più celebri antropologi della nostra contemporaneità, è l'inventore del concetto di non luoghi, con cui definisce tutti quei luoghi di transito, di passaggio, dove l'affollamento in realtà è sintomo di alienazione e di isolamento. Numerosissimi i suoi libri, appunto è autore di Non luoghi, Il senso degli altri, Rovine e macerie, Il mestiere dell'antropologo, La vita di Il metro rivisitato per un'antropologia della mobilità, Straniero a me stesso. E questa mattina presenterà il suo ultimo libro, Futuro, dove scrive: la crisi provocata dalla finanza ci ha rubato il futuro. Lo ha letteralmente seppellito sotto la paura del presente. Tocca a noi riprendercelo. Con queste parole io passo la parola a... Ringrazio anche, scusate, Francesca Ilardi, che farà la traduzione. Passo la parola a Marco Auger. Scusate che non posso veramente parlare italiano, ma mi traduttrice è molto buona. Je suis ici pour effectivement évoquer quelques thèmes du livre qui porte ce titre explicite, Futuro. Et ce livre essaie de se pencher sur un paradoxe, qui est qu'aujourd'hui la science avance très vite, mais que pour autant nous avons parfois le sentiment d'avoir perdu le temps, de ne plus savoir ce qu'est le temps, et c'est ce paradoxe dont je voudrais dire quelques mots. Oggi io sono qui per evocare alcuni dei temi del mio ultimo libro che porta un titolo molto chiaro, Futuro. Io tenterò di parlare del paradosso, di un certo paradosso, e cioè che se da una parte oggi la scienza avanza velocemente, noi abbiamo per contro la sensazione di non sapere più cosa sia il tempo. Il y aurait donc pour nous une nécessité de réapprendre à penser le temps, de prendre notre temps. Le temps, comme l'espace, Kant parlait des formes a priori de la sensibilité, les anthropologues ont pu étudier dans diverses sociétés du monde la manière dont ces sociétés se référaient à l'espace et au temps pour créer une logique symbolique qui se retrouvent dans l'organisation des villages, l'organisation de la société, le rapport à l'histoire. Quindi ci troviamo di fronte alla necessità di reimparare a pensare al tempo, a reimpossessarci del tempo. Il tempo che gli antropologi hanno studiato presso diverse società del mondo e hanno analizzato il loro modo di riferirsi allo spazio e al tempo per la creazione di organizzazioni del villaggio, della società e del rapporto storico. Lévi-Strauss ha scritto: dès l'apparition du langage, il a fallu que l'univers signifie. C'est-à-dire qu'ils prennent un sens. Et ce sens a été distribué arbitrairement par les différentes cultures et il est interne à l'organisation du temps et de l'espace. Il se retrouve, encore une fois, dans le plan des villages, dans les règles de résidence aussi, puisque dans un village africain traditionnel, on doit vivre avec l'un des partenaires obligatoirement. On ne peut pas vivre n'importe où. Et cette organisation signifie aussi que chaque identité individuelle est engagée dans un lien d'altérité.
c'est vrai pour toutes les sociétés et pour nous, on ne peut analyser l'identité individuelle de chacun qu'en se référant à ses liens avec d'autres. Ça commence à la naissance et ça continue ensuite. Dal momento in cui appare il linguaggio, appare anche la necessità di avere un universo e in questo caso l'universo prende senso necessariamente. Il senso è interno all'organizzazione del tempo e dello spazio. Si ritrova quindi nei piani del villaggio e nelle regole interne al villaggio. Quindi, per esempio, in un villaggio africano necessariamente la vita è assieme a dei partner, non si può vivere non importa dove. Questa organizzazione significa anche che ogni identità individuale è legata ad un'alterità. In ogni società è possibile analizzare questa cosa e l'identità inizia con la nascita e prosegue anche dopo. Cette liaison entre l'espace et le temps marque toutes les traditions, aussi bien en Europe qu'ailleurs, mais elle trouve des expressions particulièrement fortes dans des cultures traditionnelles, anciennes. Il y a une circularité du temps qui correspond à l'organisation spatiale. Le temps des saisons, chez nous, est évidemment très, très marqué, et nous avons l'habitude de modeler notre calendrier politique ou sportif sur ce rythme-là. Nous parlons des saisons sportives, des saisons politiques, de la rentrée, etc. C'est donc une idée assez tenace et qui correspond évidemment au rapport entre la Terre et le Soleil. Il y a quelque chose de cosmologique là-dedans. Questo legame tra spazio e tempo definisce quindi ogni tradizione, sia europea sia non. All'interno delle vecchie culture tradizionali c'è la circolazione del tempo che è proprio alla base dell'organizzazione spaziale. Soprattutto il tempo delle stagioni presso di noi è molto importante. Tutto il nostro calendario si basa su questo ritmo. Parliamo infatti di riprese, anche la ripresa per esempio del calendario sportivi, ed è un'idea dunque assai tenace che coincide anche con il rapporto fra la Terra e il Sole. C'è un qualcosa in questo di cosmologico. Le società sono souvent divisées en classes d'âge pour bien marquer l'appartenance d'un groupe à une époque du temps. Et il y a une société en Côte d'Ivoire où chez les Athiers, où il y avait une correspondance spectaculaire entre l'organisation de l'espace et l'organisation de la société. Chaque classe d'âge habitait un quartier du village, et puis quand elle avait atteint un certain âge, elle changeait de quartier sur trois quartiers, et à la fin elle revenait dans le quartier de départ, ceux qui survivaient. C'était donc une circularité spatiale qui correspondait à la circularité du temps dans un système où on pense que l'hérédité reconstitue des individus et que l'humanité se renouvelle comme les saisons se renouvellent. Le società spesso si dividono in classi d'età per definire i differenti gruppi d'età. Per esempio esiste una società in Costa d'Avorio dove, almeno così funzionava prima, c'era una corrispondenza esatta tra l'organizzazione spaziale e l'organizzazione temporale.
Per questo ogni classe d'età occupava all'interno del villaggio un determinato quartiere e poi al raggiungimento della successiva età cambiava quartiere e così via, finché chi sopravviveva all'ultima fascia d'età ritornava nel primo quartiere. Quindi abbiamo a che fare con una circolazione spaziale che è anche la coincide esattamente con la circolazione temporale. L'umanità dunque si rinnova in questo modo, come lo spazio. Par rapport à ces organisations traditionnelles, dont je parle si bien rapidement, on peut dire que la modernité telle qu'elle s'est construite à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle marque une rupture complète. Elle marque une rupture sur deux points, en affirmant la primauté de l'individu et en affirmant la primauté du futur sur le passé. Rispetto a queste organizzazioni tradizionali, potremmo dire che l'umanità, al termine del XIX secolo e all'inizio del XX, vive una rottura completa che si basa su due punti: il primato dell'individuo e il primato del futuro sul passato. C'est au XVIIIe siècle qu'apparaissent les grandes utopies dont le philosophe Lyotard a parlé dans son livre sur la condition postmoderne. Qu'est-ce que c'est que les utopies et les grands récits, et comme il les appelle, qu'est-ce que c'est par rapport aux cosmologies traditionnelles? Eh bien, ce sont des mythes du futur, alors que les cosmologies sont des mythes qui portent sur le passé, sur l'origine de la société. Ce sont des cosmogénèses, tandis que l'utopie imagine la société à venir. Et puis, il y a une différence sur un deuxième point, c'est que les cosmologies sont attachées à des cultures particulières, à des sociétés particulières, parfois très petites. C'est la naissance d'un groupe que raconte la mythologie. Alors que les utopies du XIXe siècle considèrent l'humanité dans son ensemble, elles sont universalistes. Elles portent donc sur l'ensemble de l'humanité et sur l'avenir, alors que les cosmogénèses portaient sur un petit groupe et sur le passé, sur l'origine. Nel XVIII secolo appaiono le grandi utopie e si parla appunto di condizione postmoderna. Ma che cosa sono queste grandi utopie e che cos'è la cosmologia? La cosmologia si basa essenzialmente sul passato, a differenza dell'utopia che guarda invece al futuro. Ma ci sono anche altre differenze, in quanto le cosmologie, per esempio, sono legate a delle culture molto particolari e spesso estremamente piccole. Le utopie del XIX secolo considerano al contrario l'umanità presa globalmente. Quindi la cosmogenesi riguarda essenzialmente un piccolo gruppo, il passato e le sue origini. Alors ces grands récits du XIXe siècle, on sait bien le sort qu'ils ont eu. Ils se sont effondrés au XXe siècle avec l'expérience historique et les désastres qu'ils ont entraînés dans l'histoire réelle. Ce qui fait que le XXe siècle a marqué la fin de ces grandes utopies du passé, et qu'on a pu parler ensuite de la condition postmoderne pour essayer de voir ce qui remplaçait ces grands récits. Je n'aime pas le terme de postmodernité, parce qu'il ne tient pas compte du fait que ce que nous vivons aujourd'hui me paraît davantage une accélération des processus constitutifs de la modernité qu'une chose différente. Nous sommes dans une époque où la notion d'individu est extrêmement importante, même si on a parfois tendance à la confondre avec le consommateur. Et c'est une... Notre idée du futur n'est pas fermée, même si les récits qui essaient d'en rendre compte
risque de tourner eux aussi à l'utopie. Tutto quello che abbiamo visto che cosa è stato detto nel XIX secolo e come tutto quanto è stato detto scompare nel XX a fronte di, dei disastri che conosciamo. Il XX secolo segna la fine delle grandi utopie del passato e il postmodernismo tenta di sostituire allora queste grandi utopie. A me non piace parlare di postmodernità perché non considera che noi ci troviamo in un'epoca in cui la nozione di individuo è molto importante, anche se si tende a confonderla con quella di consumatore. La nostra idea di futuro non è un'idea chiusa. J'ai proposé le terme de surmodernité, au sens où on parle chez Freud de surdétermination, par exemple pour dire qu'il y a trop de, d'explications, pour que, trop de facteurs explicatifs pour que l'explication soit simple. Surmodernité qui serait marquée par trois caractères, l'instantanéité du point de vue du temps, l'ubiquité du point de vue de l'espace et la communication du point de vue de la relation. C'est-à-dire que l'instantanéité, c'est un peu la négation du temps, l'ubiquité, c'est un peu la négation de l'espace, et la communication, c'est un peu la négation de la relation. Paul Virilio a fait remarquer que le temps réel, le live des, en américain, tue l'espace réel. Et il reproche à Fukuyama d'avoir parlé de la fin de l'histoire en disant c'est la fin de la géographie, en fait. Je crois qu'il se trompe sur Fukuyama parce que lorsque Fukuyama parle de la fin de l'histoire, il ne parle pas de la fin de l'histoire événementielle. Mais l'analyse est suggestive. Le temps réel, le live, tue l'espace réel. Io propongo quindi sovramodernità, riferendomi un po' a Freud, quindi che esistono troppi fattori esplicativi perché la spiegazione possa essere semplice. Abbiamo a che fare infatti con tre elementi, l'istantaneità per quanto riguarda il tempo, l'ubiquità per quanto riguarda lo spazio e la comunicazione per quanto riguarda la relazione. L'istantaneità costituisce la negazione del tempo, l'ubiquità la negazione dello spazio e la comunicazione la negazione della relazione. Come dice Paul Villot, il tempo reale, cioè il life degli americani, uccide lo spazio reale. Lui tende a parlare di fine della storia come se fosse geografico, secondo me non è del tutto questo, è tuttavia suggestivo quando dice che il live uccide il tempo reale. Paul Virilio. Virilio. Virilio, Paul Virilio. En fait, la communication pourrait paraître au contraire l'apothéose de la relation. Puisque les instruments de la technologie nous permettent de communiquer avec n'importe qui à l'autre bout du monde. Et c'est vrai, mais on peut s'interroger sur ce que signifie cette relation. Parce que la relation, les relations entre les hommes s'inscrivent dans le temps et dans l'espace, justement. Et la suppression de cette dimension temporelle, cette dimension spatiale, produit autre chose que de la relation. Alors il n'est pas question de nier l'importance des technologies de la communication, elles sont évidemment fabuleuses et elles ont tout l'avenir devant elles, mais peut-être faudrait-il éviter de les prendre pour des fins, ce sont des moyens. Je remarque que les grands hommes politiques, ceux qui nous gouvernent, lorsqu'ils veulent se parler, ils décrochent leur téléphone bien sûr, mais ça ne suffit pas, ils vont se voir. Comme si dans le contact, quand il y a des grandes décisions à prendre, ils ont besoin de se rencontrer. Et la rencontre passe par le face-à-face. La comunicazione, da un certo punto di vista, potrebbe essere l'apoteosi della relazione.
Infatti abbiamo la tecnologia che ci permette di comunicare con qualcuno all'altro capo del mondo. Ma cosa significa esattamente questa cosa? La relazione tra persone si iscrive all'interno del tempo e dello spazio e sopprimere questa relazione produce qualcosa di diverso, un'altra cosa. Non nego il valore della tecnologia, ma non è il fine, è il mezzo. Noto infatti che ad esempio i politici quando hanno qualcosa di importante di cui discorrere non ritengono sufficiente il telefono. Si vedono di persona, si incontrano. Per le grandi decisioni, l'incontro avviene vis-à-vis. Nous sommes donc dans un monde marqué par ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du présent, où le passé n'existe plus et où le futur ne s'imagine pas. Tout cela est lié à l'instantanéité et à la circulation des images au milieu desquelles nous vivons, mais c'est lié aussi à la dimension planétaire, à la globalisation. Car quand nous parlons de globalisation, nous parlons davantage d'un phénomène technologique et économique, mais qui est radicalement nouveau, puisque tout le monde aujourd'hui sait que le contexte, tout contexte de vie sociale, même celui d'un petit groupe d'Amazoniens dans la forêt, ce contexte renvoie à la planète entière. Au fond, l'extension de l'économie et de la technologie nous donne le sentiment que toutes les affaires sont des affaires intérieures, ce qui produit d'ailleurs souvent des craintes, parce qu'il suffit qu'une catastrophe se passe à l'autre bout de la Terre pour que nous en soyons immédiatement avertis et que nous tremblions comme si c'était à nos portes. Il y a un changement d'échelle auquel nous n'arrivons pas tout à fait encore à nous habituer. Noi ci viviamo oggi in un mondo che è il mondo dell'ideologia del presente. Il passato non esiste più, il futuro non riusciamo ad immaginarcelo. Quindi tutto è legato alla circolazione dell'immagine, è legato alla circolazione planetaria. Quando parliamo di globalizzazione parliamo di un fenomeno tecnologico nuovo e tutti sappiamo che questo è un contesto che si rinvia a livello planetario. L'estensione della tecnologia produce a volte delle paure e dei timori. Qualcosa che accade in una certa parte del mondo ci fa tremare, perché a determinate cose non siamo ancora abituati. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir de cette nouvelle organisation ou désorganisation du monde? Eh bien, Fukuyama, dans son livre sur la fin de l'histoire, avait proposé une hypothèse optimiste, mais dont Derrida se demandait déjà si elle correspondait à une analyse des faits sociaux ou à un souhait, à un vœu. Parce que Fukuyama ne parlait pas de la fin de l'histoire au sens de la fin de l'histoire événementielle, mais il voulait dire que nous étions tous d'accord sur la formule à développer. La formule à développer, ce serait la relation entre la démocratie représentative comme formule politique et le marché libéral comme formule économique. Seulement, ça ne marche pas tout à fait comme cela, parce que nous savons bien que le marché libéral global, des sociétés qui n'ont rien de démocratique s'en accommodent très bien, et qu'on peut avoir des régimes politiques tout à fait dictatoriaux qui sont tout à fait à l'aise dans le marché global et libéral, avec quelques petits ajustements. D'un autre côté, il nous faut prendre acte du fait que nous ne marchons pas vers une démocratie planétaire. L'écart ne cesse de se creuser entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres. Et il ne cesse de se creuser aussi entre ceux qui sont le plus proches de la connaissance et ceux qui en sont le plus éloignés. Il faut tenir compte, pour refaire cette appréciation, du fait que nous serons à la fin de ce siècle pas loin de 10 milliards d'habitants, alors que nous, au début du
au début du XXe siècle, c'était 1,5 milliard. Il y a donc un changement considérable qui n'est pas sans conséquences. Si cet écart se creuse et continue de se creuser, malgré certaines apparences, il y a des pays émergents qui évidemment accèdent à la prospérité relative, mais à la prospérité de certains. Parce que dans des pays comme la Chine, comme le Brésil, les écarts entre les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres sont considérables, comme chez nous, ou pire peut-être, et dans les pays sous-développés également. Ce qui fait que, globalement, on a un accroissement de cet écart. Nous marchons donc, semble-t-il, vers une oligarchie planétaire et pas une démocratie qui se partagerait en trois classes. La classe des possédants, plus ou moins liés, bien sûr, à ceux qui savent, au milieu de la connaissance, bien sûr, globalement. Et puis une deuxième classe qui est celle des consommateurs. Et puis une troisième classe qui est celle des exclus. Et il n'est pas certain que le marché ait besoin de s'étendre jusqu'à tous les exclus, ce qui correspondait à une vision optimiste de l'action du marché. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est peut-être au contraire au renouvellement accéléré des produits. Dès qu'on achète un téléphone portable, il faut le remplacer. Et c'est ce renouvellement accéléré qui fait que peut-être le dynamisme économique dépend davantage du renouvellement de l'offre que de l'extension de la demande. Allora, quali sono le prospettive future di questa nuova organizzazione o disorganizzazione del mondo? C'è chi propone un'ipotesi ottimistica, ma bisogna vedere se c'è corrispondenza con un'analisi effettiva delle società oppure con un mero desiderio. Si dice che siamo alla fine della storia, ma soprattutto questo significa che bisogna sviluppare una formula e verificare la relazione tra democrazia e mercato libero. Questa relazione però non funziona sempre, perché abbiamo a che fare con regimi dittatoriali. Quindi ci sono numerosi paesi in cui si assiste ad una forbice che si amplia sempre più, dove i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, e questo vale anche per chi ha accesso al sapere e per chi invece ne resta lontano. Quindi siamo a fine. Noi sappiamo oggi che a fine secolo saremo 10 miliardi, all'inizio 1,5. Quindi siamo di fronte ad un importantissimo cambiamento che non può non avere conseguenze. Quindi ci sono anche chi emerge e accede alla prosperità, ma in alcuni paesi sottosviluppati o anche in paesi come la Cina la forbice si accentua sempre di più, proprio come si diceva prima, tra chi è sempre più ricco e chi è sempre più povero. Quindi abbiamo una globalizzazione di questa situazione. Abbiamo a che fare, infatti, con una vera e propria oligarchia mondiale, all'interno della quale ritroviamo tre classi: quella dei possidenti, dei proprietari, che sono legati al sapere. L'altra classe è quella dei consumatori e infine abbiamo a che fare con la classe degli esclusi. Non è tuttavia certo che il mercato abbia la necessità di estendersi a quest'ultima classe degli esclusi. Oggi osserviamo infatti al rinnovarsi dell'accelerazione del prodotto, quindi chi ha un cellulare per esempio lo cambia molto spesso, quindi non abbiamo di fronte un'estensione della domanda
ma soltanto al rinnovarsi dell'offerta. Si cette analyse est juste, évidemment elle est inquiétante parce que cela signifie que la classe des exclus va s'étendre et que à la frontière entre les consommateurs et les exclus, il y a la peur de tomber dans la catégorie de l'exclusion. Nous le savons bien aujourd'hui quand nous parlons de l'affaiblissement des classes moyennes. Se la mia analisi è corretta, allora la situazione è inquietante, perché gli esclusi sono destinati a diventare più numerosi e abbiamo una frontiera tra i consumatori e gli esclusi, quindi quelli che hanno il timore di cascare all'interno di quest'ultima classe degli esclusi. Parliamo infatti spesso dell'indebolimento della classe media. Alors que faire, comme disait Lénine? Eh bien, s'agissant de l'espace et du temps, il y a beaucoup à faire. Nous sommes invités, au fond, à soigner l'espace. Les écologistes nous y invitent, mais nous devons tenir compte aussi du changement d'échelle. Nous en tenons compte, mais d'une manière étrange. Nous savons bien qu'il y a de belles choses qui sont liées au passé et nous inscrivons au patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO, les monuments remarquables, les centres-villes historiques, etc. C'est-à-dire nous sommes en train de faire l'inventaire, nous sommes tournés vers le passé et nous faisons l'inventaire des choses. Et cela s'applique à la nature aussi, nous transformons la nature en parc naturel. Nous classons, nous rangeons, on met de l'ordre dans la maison, un peu comme si on préparait la planète pour recevoir la visite d'extraplanétaires, d'extraterrestres. Ils trouveraient les choses bien en ordre et ils pourraient visiter la Terre rapidement comme les Américains quand ils viennent en Europe. Mais c'est une nature musée qui se met en place ainsi et qui n'empêche pas, par ailleurs, de maltraiter la nature. E quindi cosa fare, come direbbe Lenin? Siccome abbiamo a che fare con il tempo e lo spazio, c'è molto da fare. Noi siamo tutti invitati a prenderci cura dello spazio, ma dobbiamo anche renderci conto che ci sono degli importanti cambiamenti di scala. Sappiamo che esistono cose belle legate al passato e quindi iscriviamo luoghi e monumenti tra i beni protetti dall'UNESCO. Facciamo per così dire un inventario e lo facciamo anche con la natura. La mettiamo in elenchi, la riordiniamo, la prepariamo per benino come se dovessimo organizzare la visita di qualche extraterrestre, un po' come si fa con gli americani quando vengono in Europa. Quindi abbiamo a che fare con una natura museo che non ci impedisce tuttavia di maltrattarla. Du point de vue de l'espace, nous assistons aussi à une sorte de décentrement. Quand nous parlons de l'urbanisation du monde, qui est un fait, nous devons préciser que la ville est en train de changer. Le monde s'urbanise, mais la ville change. Et la ville change parce qu'elle se décentre. Les centres historiques deviennent principalement des sortes de musées que les touristes de l'extérieur viennent visiter. C'est-à-dire que ce sont des lieux de curiosité pour l'ensemble des gens du monde, mais ce sont de moins en moins des lieux de vie. Des lieux de vie parce que les loyers sont chers, parce que ça vaut cher, etc. Et puis parce que la vie active est plus généralement excentrée par rapport au centre historique. Mais ce décentrement s'applique aussi à la demeure de la maison.
Jean-Pierre Vernant, l'helléniste, avait parlé de la maison du plan, de la maison grecque classique, en opposant Hestia, la déesse du foyer, et Hermès, le dieu du seuil. Alors Hestia, c'était évidemment l'univers ombreux, féminin, sédentaire, et puis Hermès, l'univers ouvert à l'aventure, masculin, glorieux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve à la place du foyer ? La télévision et l'ordinateur, c'est-à-dire la relation à l'extérieur, c'est-à-dire Hermès a pris la place d'Hestia. Et on pourrait parler de cela comme d'un décentrement de la maison, de la notion même de maison. Mais ça s'applique aussi au corps individuel, car nous avons tous nos portables sur nous. D'une certaine manière, je suis frappé quand je vois dans la rue les gens parler. Ils parlent seuls, croit-on. Ils ne parlent pas seuls, mais ils parlent à des interlocuteurs que nous ne voyons pas. Et même, souvent, dans un café, on voit des gens face à face, en train de prendre un café, et ils sont chacun avec leur ordinateur, en train de parler avec un fantôme. C'est un exemple de ce changement d'échelle auquel insensiblement nous nous plions. Nous sommes ailleurs que là où nous sommes, et c'est une donnée qui n'a pas fini d'avoir des conséquences. E poi c'è lo spazio e c'è il decentramento, la decentralizzazione. Quando si parla di organizzazione del mondo, noi precisiamo che la vita sta cambiando. La vita sta cambiando nel senso che si sta decentralizzando. I centri storici sono diventati una sorta di musei per turisti, di luoghi di curiosità sono molto meno luoghi per viverci, perché sono cari e perché la vita attiva si è spostata altrove. Però la decentralizzazione ha a che fare anche proprio con il concetto di casa e di focolare. Da una parte abbiamo tradizionalmente la casa, il focolare più classico, l'universo femminile, ombroso e sedentario, e dall'altra invece la casa intesa come entità maschile e aperta e attiva. Oggi il focolare è rappresentato sostanzialmente dalla televisione. Abbiamo quindi un decentramento anche della casa focolare proprio nella sua nozione, nel suo concetto, concettualmente. Oggi abbiamo infatti tutti un cellulare. La cosa che mi ha sempre colpito molto è di vedere in giro delle persone che parlano da sole. No, in verità loro non parlano da sole, bensì ad un interlocutore che io non posso vedere. Ma mi capita anche di vedere nei bar e nei caffè persone sedute l'una davanti all'altra che in realtà col computer parlano a dei fantasmi. E questo è un esempio del cambiamento di scala di cui parlavo e al quale ci stiamo piegando. E un cambiamento di scala che non ha ancora finito di dare conseguenze. Cette manière dont l'espace nous échappe peut se voir aussi dans le tourisme. Il y a deux modalités du parcours du monde. Il y a la modalité glorieuse, le tourisme, et la modalité misérable, au moins au départ, qui est la migration. Et on peut remarquer en général que le tourisme, les touristes vont dans les pays d'où les migrants s'en vont. C'est-à-dire qu'il y a des circulations de personnes qui s'ignorent. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que à force de parcourir le monde, il ne nous suffit plus. Et l'on a commencé à envisager de faire du tourisme planétaire. Il y a des gens très riches qui ont retenu leur place pour se faire mettre en orbite et observer la planète comme paysage. Et ça a eu lieu déjà et ça va se développer chez certaines personnes fortunées.
E poi, sempre per quanto riguarda lo spazio, c'è questa cosa del turismo. Lo vediamo bene nel turismo, che avviene secondo due modalità. Una più gloriosa, che è appunto il turismo, e una invece più miserabile, che è quella della migrazione. In generale possiamo osservare che i turismi vanno nei paesi dai quali la gente se ne va via. E poi c'è una seconda osservazione, e cioè che a forza di percorrere il pianeta non c'è più sufficiente. Quindi si comincia a parlare di turismo planetario, gente che desidera essere messa in orbita per osservare il paesaggio della Terra, e qualcuno fortunato l'ha già fatto. La prospettiva resta ouverte. Che fare del nostro espace? S'agissant du temps, c'est encore autre chose. Reprendre son temps, ça voudrait dire donner sa place au passé sans donner toute la place au passé. C'est peut-être ce que l'on peut reprocher aux grandes théories qui étaient encore, hier et aujourd'hui encore, prégnantes, le marxisme, la psychanalyse, ont tendance à faire dépendre tout le présent du passé qui leur donne. Et peut-être faudrait-il tenir compte de la dimension créative qui constitue le futur. C'était un peu ce que Sartre essayait de mettre en évidence quand il critiquait la psychanalyse, et le marxisme aussi d'ailleurs. Il faudrait réussir à penser le futur, mais sans plus céder au désir de l'imaginer par avance, ce que l'on reproche aux utopies du XIXe siècle, ne pas le projeter dans l'avenir. Peut-être faudrait-il s'inspirer de l'exemple de la science. La science est modeste, je ne parle pas des scientifiques, mais de la science. La science est modeste parce qu'elle déplace les frontières de l'inconnu, elle fait bouger la connaissance par partir d'hypothèses. Et si l'hypothèse ne marche pas, on reprend. Il faudrait peut-être avoir une conception scientifique des relations humaines en ce sens et de l'expérience politique. Tout cela pour éviter de se noyer, comme aujourd'hui, dans les images du présent et ce sentiment illusoire qu'il n'y a plus de temps, alors que ce qui n'existe pas, c'est le présent. À peine je prononce ces mots, je suis déjà dans la suite. Autrement dit, le présent est une notion insaisissable. Ce qui compte, c'est ce futur en devenir que nous appelons le présent. Eh bien, peut-être faudrait-il en reprendre conscience et retravailler l'ensemble de nos activités sur le modèle de la science. Allora, che cosa fare dello spazio? Ecco la domanda. Per quanto riguarda il tempo, la questione è diversa. Riprendere in mano il proprio tempo significa riprendere forse anche il passato. Le grandi teorie del passato, come il marxismo e la psicanalisi, ritengono che tutto il presente sia legato al passato. Tuttavia è necessario pensare che il futuro è legato ad una grande dose di creatività, e in questo senso si è espresso anche Sartre. Quindi però senza cedere al desiderio di immaginare tutto in anticipo. Forse la scienza, bisognerebbe ispirarsi alla scienza. La scienza è modesta, gli scienziati no, ma la scienza sì. La scienza parte da delle ipotesi, prova ad elaborarle e se le cose non vanno bene riparte dal principio. Quindi tutta l'esperienza politica dovrebbe fare la stessa cosa, per evitare di immaginare l'illusione che il presente non esiste. Ciò che conta è il futuro in divenire, il momento in divenire. Quindi è
assolutamente necessario riprendere tutte le attività si riferiscano al modello della scienza. L'ethnologue que je suis ne résiste pas à invoquer de ce point de vue l'exemple du rite, le rite que toutes les sociétés utilisent dans des contextes différents. Qu'est-ce qu'un rite ? Un rite, ça peut paraître l'exemple même de la tradition, puisqu'il a des règles qu'on doit respecter, qu'il y a un mode d'emploi du rite qui doit être suivi attentivement, et donc il est une expression du passé de ce point de vue. Mais le rite n'est réussi, il ne produit un effet que s'il ouvre l'avenir, que s'il inaugure quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les rituels les plus importants ont lieu au moment de la naissance, ou du mariage, ou de la mort, avec cette idée qu'on ouvre une nouvelle piste, une nouvelle voie. Alors, les rites sont réussis ou ne le sont pas, mais ils ne sont réussis que s'ils persuadent ceux qui y assistent que cette ouverture a eu lieu. Autrement dit, le rite, c'est la perfection d'une liaison entre le passé que l'on respecte pour l'exécuter et l'avenir que l'on réussit à faire imaginer. Il faudrait donc en ce sens que le rite, d'ailleurs il n'est jamais complètement exclu de nos pratiques actuelles, parce que nous avons l'intuition de cela. Il exprime la nécessité de rendre le temps visible. Un esempio importante è quello del rito, il rito che è in tutte le società, anche se in contesti differenti. Il rito ha delle regole precise che devono essere rispettate ed è quindi il rito anche l'espressione del passato. Il rito produce degli effetti solo se tutti quelli che vi partecipano effettivamente, e il rito produce degli effetti soltanto quando inizia qualcosa, apre qualcosa, inaugura. Quindi i riti più importanti sono per questo legati alla nascita, al matrimonio e alla morte. L'idea in ogni caso che ci si stia aprendo a qualche cosa. Il rito è riuscito se tutti i partecipanti sono convinti. Il rito è una sorta di congiungimento tra passato e futuro. In questo senso non deve essere escluso dalle nostre pratiche attuali, perché esprime la necessità di rendere il tempo visibile. C'est pourquoi je prolongerai cette réflexion sur le rite en guise de conclusion par un nouvel appel à l'utopie. L'utopie, elle avait le mérite de mobiliser les esprits, les cœurs et la connaissance. Mais elle a eu la désastreuse rencontre historique qui lui a fait aboutir à des massacres. L'utopie à laquelle je pense, c'est celle de l'éducation. Nous sommes dans un monde, je le disais tout à l'heure, où l'écart entre ceux qui sont proches de la connaissance et ceux qui en sont loin ne cessent de s'accroître. Les chances d'avenir des individus humains dès leur naissance sont absolument inégales. Quelles sont les chances d'avenir respectives de la fille d'un paysan afghan et du fils d'un professeur à Harvard? Ce sont deux mondes différents, deux planètes qui semblent ne pas se croiser. Et pourtant, si on mettait l'un à la place de l'autre, tout changerait. Ce n'est pas une fatalité génétique ou ontologique. Il y a donc là un objectif clair, et d'autant plus clair que, après tout, il repose sur une définition. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? C'est une question à laquelle je ne veux pas répondre de façon dogmatique, mais je le ferai quand même. Je dirais que nous sommes sur Terre pour connaître ce que nous sommes, ou commencer à le connaître, et connaître le monde qui nous entoure.
Et cette activité-là, il me semble que si nous réussissions à la généraliser au prix d'un effort dont je ne sous-estime pas l'importance, eh bien, il nous donnerait la richesse en plus. Si nous réussissions à tout sacrifier à l'éducation généralisée pour tous, je crois que les retombées en termes de prospérité et d'économie seraient là. Seulement, ça demande un tel effort qu'il s'agit d'une véritable révolution. Simplement, c'est une utopie qu'on peut prendre par le petit bout. On peut agir ponctuellement avec la conscience de faire quelque chose ou d'essayer de le faire, ce qui, après tout, est toujours réconfortant. Per questo io desidero prolungare la mia riflessione con un appello all'utopia. Le utopie hanno avuto il grande merito di mobilitare gli animi, i cuori e le conoscenze, ma hanno avuto, si sono scontrate con la storia e hanno dato origine a dei massacri. L'utopia di cui vi sto parlando è l'educazione. Come vi dicevo prima, lo scarto tra chi ha accesso alla conoscenza e chi non ne ha aumenta sempre di più. Quindi diciamo che le possibilità individuali rispetto al futuro sono disuguali. Non possiamo infatti paragonare le chance della figlia di un agricoltore, di un contadino afghano con quelle del figlio di un professore di Harvard. Sono proprio due mondi totalmente differenti. Naturalmente, se l'uno andasse al posto dell'altro, tutto cambierebbe. Non è una questione di fatalità generica, ma l'obiettivo è chiaro. La domanda è: perché siamo sulla Terra? Alla domanda non dovrei rispondere, però dico che ci siamo per conoscere ciò che siamo e per conoscere il mondo che ci gira intorno. E se riusciamo a farlo, cioè a generalizzare, a sacrificare tutto all'educazione per tutti, questo sforzo è sì enorme, ma potrebbe avere delle ricadute enormi, veramente di grande effetto. Le grand mérite des utopies du XIXe siècle, c'était de mettre en jeu, en scène, l'homme universel. Et je crois que souvent nous avons tendance à ignorer les trois dimensions de l'individu, de l'homme au sens générique bien sûr, je parle de l'homme aussi bien femme et homme, mais l'homme, l'être humain. L'homme a trois dimensions, la dimension individuelle, que par définition nous sommes tous en état d'apprécier. La dimension culturelle, au sens du fait que nous nous regroupons par nation ou par groupe à l'intérieur des nations avec des références que nous partageons. On dit parfois qu'il faut respecter les cultures, on a raison, mais il faut les respecter en sachant qu'il faut aussi les analyser, car tous les systèmes culturels ne font pas, non pas, aucun système culturel n'a une idée égalitaire des individus. Autrement dit, le respect de l'individu et le respect des cultures, ça ne marche pas toujours ensemble. Et ce qui s'impose, c'est aussi la référence à l'individu générique, l'homme en général, dont chaque individu humain doit être un représentant. Sartre, encore lui, avait une bonne formule lorsqu'il écrivait « Tout homme, tout l'homme ». N'importe quel homme, c'est tout l'homme. Et je prendrai un exemple, par exemple, lorsqu'Armstrong a marché sur la Lune, nous n'avons pas pensé, tiens, c'est un Américain. Nous avons dit, l'homme a marché sur la Lune. C'était une perception de cet côté générique de l'humanité. Il faut donc sérieusement penser à cela et à conjuguer les dimensions individuelles, culturelles et génériques. La priorité à la connaissance, c'est cela. L'utopia dell'educazione, c'è cela.
Il grande merito delle utopie del XIX secolo è di aver messo in scena l'uomo universale. Tendiamo ad ignorare le tre dimensioni dell'uomo, uomo inteso come essere umano, quindi anche la donna. Una delle dimensioni è la dimensione individuale, è quella che tutti conosciamo. Poi c'è la dimensione culturale, che è quella per la quale ci raggruppiamo in nazioni oppure in gruppi all'interno di queste nazioni. Si sente dire a volte che bisogna rispettare tutte le culture, però bisogna anche non solo rispettare le culture, ma analizzarle, dato che non tutte le culture sono legate al rispetto dell'individuo. L'individuo molto spesso si impone come uomo in generale. Sartre stesso diceva che tout homme, tout homme, ogni uomo è tutto l'uomo. Infatti, quando Armstrong è andato sulla Luna, noi non abbiamo pensato che questa cosa fosse stata fatta da un americano. Ne abbiamo tratto una percezione più generale. L'uomo è andato sulla Luna. Quindi noi dobbiamo proprio pensare in questi termini. Questa è la priorità e l'utopia dell'educazione è questa. Deux points encore. Les cultures. Les cultures ont toutes une dimension universelle par les questions qu'elles posent, mais pas par les réponses qu'elles apportent. L'anthropologue peut parler de ce point de vue. Les différentes cultures dans le monde traitent toujours des mêmes problèmes. La mort, la naissance, les rapports entre les sexes, les rapports entre les individus, mais ils n'apportent pas les mêmes réponses. Elles sont donc virtuellement universelles, mais dans la réalité particulière. Et c'est pourquoi c'est le rapport entre la dimension individuelle et la dimension générique de l'homme qui permet d'apprécier le rôle des cultures et éventuellement de les dépasser. Quand on parle de société pluriculturelle, ce n'est pas le fait pour dire que ça ne veut pas dire qu'il faut que les choses soient contiguës les unes aux autres, sans effet d'échange, de rencontre et de correction. Car les ensembles culturels ne respectent pas toujours l'autonomie des individus. C'est la première chose. Due punti. Le culture. Le culture hanno una dimensione universale per le questioni che pongono, non per le risposte che danno. Ogni cultura tratta infatti gli stessi problemi, la morte, la nascita, il rapporto tra i sessi, il rapporto tra gli individui. Tuttavia non danno sempre le stesse risposte. Perciò il rapporto tra la dimensione universale dell'uomo e la sua dimensione individuale permette di apprezzare le culture. Gli insiemi culturali non rispettano tuttavia sempre l'autonomia dell'individuo e questo è un primo punto. Il convient donc de respecter les cultures sans s'aliéner à aucune d'entre elles. Le deuxième point, c'est l'univers tel que nous le présentons aujourd'hui, que nous commençons à en avoir une certaine connaissance. Nous appartenons à une planète dont Pascal disait qu'elle était un infime canton de l'univers. Il était encore plus infime ce canton qu'il ne le pensait. Il y a des milliards de soleils dans notre galaxie, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers connu. Évidemment, tout cela dépasse l'imagination, et pour rester à Pascal, on comprend la formule qu'il utilisait,
le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Et je reviendrai à Voltaire qui dit, et à son jardin, qui disait qu'il fallait cultiver notre jardin, car c'est le bon sens même. Seulement, notre jardin, aujourd'hui, il est étendu à la planète entière. Il faut donc la soigner, et indépendamment de cela, soigner ceux qui l'habitent, c'est-à-dire les hommes, et j'en reviens à mon étude de l'éducation. Rispettare dunque le culture senza alienarle. Il secondo punto è quello dell'universo, dell'universo come lo conosciamo noi oggi. Noi dobbiamo appropriarci di un pianeta che, come lo definiva Pascal, è infimo e probabilmente ancora più infimo di quanto lui non immaginasse. La nostra galassia comprende miliardi di universi e supera di gran lunga la nostra immaginazione. È uno spazio infinito. E Pascal parlava dunque di coltivare il proprio orticello. Però il nostro orticello oggi tende ad essere il pianeta tutto intero. Dobbiamo per questo curarlo, averne cura e avere cura degli uomini e dell'educazione loro. Car notre jardin, c'est le jardin de la connaissance. Je vous remercie. E questo giardino, questo orto, è l'orto della conoscenza. Grazie.